Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 20e épisode de Sons of the Forest. Je me prends une petite pause, voilà, parce que je pense que c'est bien mérité après tout le travail que nous avons fait durant ces 20 premiers épisodes. Voilà, déjà 20 épisodes. Je sais même plus, la saison 1, je crois qu'on avait terminé le let's play au bout. Bah avant le 20e épisode, non, je sais plus. Bon, comment ça va, Kelvin, là? Je te sens un petit peu épuisé également, et pourtant j'ai encore besoin de toi, parce qu'on va devoir terminer des structures, hein. On a beaucoup de choses à faire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en off. Surtout aujourd'hui, un épisode quand même beaucoup plus chill que les autres, parce qu'on va vraiment s'occuper de la maison. Parce que oui, la maison elle est carrée, oui c'est vide à l'intérieur, mais ça c'est pour le moment, hein, les rageux. Non mais ça va 2 minutes. Vous voulez que je fasse une maison ronde, triangulaire? Bon, c'est une maison en L, c'est tout. Après, je comprends bien, j'ai vu un commentaire, voilà, qui m'avait un petit peu fâché. Après, voilà, c'est subjectif. Chacun a son avis sur les constructions. Mais c'est vrai, on aurait pu faire une plus petite maison. Et j'ai vu des idées sur Google Images et sur Reddit. Vraiment sympa, des mecs qui ont construit des petites maisons. Du coup, c'est tout cocooning, c'est tout cosy à l'intérieur. Et c'est vraiment chouette. C'est vrai, je pense qu'on pourra toujours faire ça. Mais il n'empêche que je voulais quand même un gros truc, un gros mastodonte comme ça. Et ce sera pas juste carré. On va essayer de... De toute façon, il y aura un toit pointu. On va voir, de toute façon. Après, rien n'est jamais définitif, hein. Faut pas se fâcher, hein. Bref, donc, je vous montre un peu. Bon, j'ai préparé déjà des pièges. Parce que ça, c'est vrai que c'est quand même assez fonctionnel, ces pièges-là, hein, on avait bien vu. Ici, du coup, j'ai entouré de barrières. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'électricité. On en mettra par la suite. Et puis, des piquets sur les devants pour vraiment optimiser les chances. Et de sorte à ce que personne ne traverse ce putain de mur. Parce que les monstres qui rentrent à l'intérieur de la maison, ça va 2 minutes. J'ai fait des petites stratégies. Aïe! J'ai fait des petites stratégies, voilà, pour avoir un maximum de bâtons et de bûches. Ça, c'est cool. Kelvin, il me remplit ça automatiquement quand je lui demande. Donc ça, c'est juste bueno. Ça va nous permettre d'ailleurs, bah, directement de crafter ce qu'il faut crafter. Bon, malheureusement, j'ai pas de carapace de tortue à disposition. Je vous montre également l'intérieur. Aujourd'hui, on va aussi faire tout ce qui est électricité. J'ai enfin compris comment tout fonctionne. Ces nouveautés, c'est vraiment, vraiment formidable. J'ai récupéré du coup en off, vous l'avez vu, j'ai récupéré des batteries sur les caddies de golf, hein, les batteries qui permettent d'alimenter les panneaux solaires. Donc, alors, hop et hop. Voilà. Bon, ça, ça fera du bois de chauffage. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas mettre le bois de chauffage à l'intérieur de la maison, hein. Ça, c'est un truc que je regrette. On est obligé de poser ça sur un sol en terre. C'est vraiment, vraiment dommage. Alors attendez, parce que pour que ça fonctionne, il faut d'abord que je casse en deux chacune de ces bûches. Donc là, on va se faire un petit stockage de bois de chauffage. Voilà, on va pas faire de gaspillage de bois. Voilà, nous ne sommes pas ce genre de personne, bien sûr. Donc là, on est d'accord, je peux pas mettre ça à l'intérieur. Voilà, je peux pas mettre ça à l'intérieur, c'est vraiment dommage. Donc pas le choix, faut qu'on mette ça comme ça, quoi, hein. C'est vraiment con. Hop, on casse en deux. Et on met ça là. Ça là. Malécoum, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous remercier pour vos commentaires sur le dernier épisode en lui-même. Parce qu'en fait, je n'ai pas encore vu. Voilà, je me suis un petit peu fait avoir dans mon timing. J'ai dû, en fait, je dois tourner cet épisode vraiment. Voilà, dès le début de semaine, là, il faut que je m'organise comme je peux. J'ai une semaine super chargée. Je m'attendais pas à ça, j'avoue. Donc voilà. Alors, on va terminer tout ce qui est mobilier. Voilà, les petits meubles que j'ai placés ici. Ce qui va être vraiment cool parce que on va pouvoir retrier tout correctement. Ah, mon ami, petit effort. Voilà, superbe. C'est vraiment pas mal en vrai, hein. C'est vraiment pas mal. Et du coup, en fait, j'ai fait une technique. J'ai mis ces meubles-là sur la table. Parce qu'on peut pas poser sur la table de trucs. Alors, peut-être qu'il y aura une nouvelle mise à jour et on pourra poser des trucs sur la table à tous les coups. Mais en attendant, eh ben, je me suis dit, on va mettre ce genre de truc et on va pouvoir mettre dessus. Mais elle est complètement débile, mon idée, là. Parce que dans tous les cas, je vais mettre ça sur les tendoirs. Non, mais je suis complètement con. Pourquoi j'ai pensé à ça? Ah, peut-être pour poser des trucs genre... genre à boire ou des conserves. Non, non, pas des conserves. Ça, je me serai dans un meuble. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Oh, bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, il m'en faut peu pour être heureux. Je vais faire cuire cette viande en même temps qu'on continue nos choses. Alors, du coup, je vais prendre les sodas là. Et je vais les mettre là. Voilà, ici, ce sera les boissons.
Voilà, ici on va ranger les boissons sur ce petit mobilier. Voilà, dans 1 heure ce sera terminé. Voilà, superbe. Là ça chauffe plutôt pas mal. Rajoute une petite feuille. Il sert à rien de faire ça, hein. On fait ça briser normalement, mais bon là voilà, on fait ça vraiment avec le feu. Allumer le feu comme dirait Johnny. Et voilà, c'est prêt, c'est pour moi, je mets ça là. Oh non. Chaque fois je me trompe, c'est chiant ça. J'espère qu'ils vont aussi un peu changer la façon de faire, je ne sais pas. Alors, en ce qui concerne du coup les panneaux solaires et les batteries. Donc pour vous expliquer, vous avez très bien compris. Bon, moi je suis un petit peu, voilà, pour moi c'est tout nouveau, mais au moment où la vidéo sortira, bon ça fait un moment que tout le monde maîtrisera le sujet. Mais en gros, t'as les panneaux solaires, donc avec 100 watts, avec le soleil à fond les ballons. Bien sûr, tu peux alimenter du coup les ampoules, mais si t'alimentes de trop, il n'y aura pas assez d'énergie, donc il faut combiner les panneaux solaires entre eux. Mais quand il fait nuit, il n'y a plus d'énergie, donc pour ça, il faut qu'on utilise une batterie. Et les batteries d'ailleurs, je sais même pas où elles sont. Voilà, donc on va les chercher. Ah bah elles sont là, voilà. Donc j'ai 3 batteries de voiturettes de golf. Apparemment c'est illimité, donc t'en mets une ici. Voilà. Bon, du coup c'est temporaire, hein. Et ça va permettre d'alimenter même la nuit. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai combien de ficelles? 14. Eh ben on est dans la merde. Parce que pour alimenter en bas. Donc là du coup, je vais pouvoir choper ça. D'accord. Et on va alimenter du coup les clôtures électriques. Est-ce que je peux? Voilà, je peux. Donc attendez. Parce que je vais me prendre une châtaigne là, je la sens bien. Voilà. Donc là, c'est alimenté. On fait attention. Ok. Ok. Encore. Là, pour le moment, normalement, c'est encore bon, tu vois. Ah ouais, ça marche bien. Ah, j'étais pas sûr. Je pensais qu'il aurait fallu que je combine deux panneaux solaires, mais en fait, tout va bien. Hop. Eh ben c'est parfait, de toute façon j'ai plus assez de fil. Bon, en fait je voulais que ça tombe en panne. Et en gros je vous ai montré, il suffisait en fait de relier deux panneaux solaires entre eux. Donc du coup ben, en fait il y avait assez, y avait assez. Alors ça par contre c'est con. Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Bon c'est temporaire les amis de toute façon. Mais c'est absolument terrible. Bon bref. Alors on va faire des petites fenêtres. Parce que depuis tout ce temps c'est vrai que ben, on se sent un petit peu claustrophobique là-dedans. Dans cette grande maison carrée et vide. Hein, voilà, donc on va se faire un petit truc. Donc déjà la fenêtre ici, je compte pas faire plus grand au premier étage ici. Je sais pas, ça me fait un peu bader. Si là à la limite je pourrais ouvrir là. Je sais pas, attendez, il est où le milieu? Est-ce que ça c'est le milieu ça? Attendez, pour moi c'est le milieu là. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Eh mais j'ai l'œil dans le compas moi. Hein. Là c'est le milieu, donc là ce que je vais faire, je vais ouvrir là. Hop, on ramasse, hein. Est-ce que je fais une grande fenêtre? Non, clairement pas. Ce sera en haut qu'on fera des grandes fenêtres. Il y a juste ici où je me tâte à laisser tout le temps ouvert comme ça. En vrai, je pourrais laisser ouvert comme ça. Ça peut être pas mal. Alors là, on mettra une grande. Alors, dommage qu'on peut pas enlever les bûches là. Ah, mais attendez. Attendez. Ah non, je peux quand même pas. Ah, je peux quand même pas faire ce que je voulais faire. Dégoûté. Là, on mettra, je pense, ouais, une grande table et tout, tu vois. Donc, vraiment pour faire une belle salle à manger, quoi. Hein. Tous ceux qui disent que la maison est grande et vide, hein. Ok. Non, non, mais je le conçois parfaitement. Je vais mettre le lit. Mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, ça y est. J'ai bu du soda ou quoi, là? Hop là. Voilà. Donc, on va faire des fenêtres. D'abord, oui, donc on va voir les mobiliers qu'on peut faire. Ça se trouve, il y a des trucs que j'avais même pas fait attention, qu'il y a de la nouveauté, je sais pas. Vous m'aviez suggéré d'ailleurs de faire des cabanes dans les arbres. Bon, c'est pas notre priorité. On verra ça plus tard, mais ça peut être une idée quand même. Ça peut être une idée quand même. Bon, on va faire une table. Alors, comment on va faire? En fait, j'aimerais assembler plusieurs tables. Et je pense que le mieux à faire, c'est de faire ça. Ah, mince. Un peu trop proche du bord. Mince, ça c'est un banc, hein, Nicolas. Voilà, une table. Voilà. Comme ça. Là, ça fait une table. Et là, du coup, parce qu'on est des dingues. Non, mais toujours, toujours incompris. On va combiner une deuxième table ici. Qu'est-ce qu'il a, bonhomme? Il a faim? Attends, bouge pas. J'ai ce qu'il faut pour toi, mon ami. De la bonne viande. C'est bon, ça. Ah oui, délicieux.
Voilà, et puis on va recombiner une autre table juste ici si le jeu le veut bien, et je crois que le jeu le veut bien. Et voilà, et ça nous fait une grande table. On va pouvoir du coup mettre, donc pas des bancs, hein, on n'est pas là pour ça, on va quand même mettre des chaises. Où sont les chaises? Qu'est-ce que c'est que cette... Ah voilà, les chaises. Hop, donc déjà, on va mettre une chaise. Alors ça c'est vraiment le problème, c'est qu'on peut pas les coller, ça c'est vraiment dommage. On peut pas les coller, c'est vraiment chiant ça. Voilà, une chaise ici. On va en mettre une bien sûr en face. Donc déjà il y a Kelvin et Virginia qui pourront eh bien s'installer ici. D'accord. Même peut-être un indigène s'il arrive à rentrer dans la maison. On va pouvoir mettre une chaise hop, ici. Et une autre ici. Et ça nous fait 4 petites places toutes mignonnes, toutes géniales, toutes mignonnes. J'ai répété 2 fois le même mot. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que t'as besoin de ça pour fabriquer quelque chose? Oh parfait. Voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On va on va quand même mettre une petite fenêtre ici. Peut-être plutôt là. Ah bah, de toute façon je peux pas casser là. Regardez, pourquoi il me propose pas de casser le con là? Eh? Ah je peux pas casser parce qu'il y a ça derrière. Ah bah ça tombe bien parce que je voulais pas ouvrir là. Donc on va faire une petite encoche ici. C'est toujours bien de pouvoir voir par là dès le premier étage, comme ça tu peux t'enfermer si jamais. Là on va laisser fermer, on mettra peut-être des meubles aussi là, ou alors ouais, ici on va mettre voilà, aujourd'hui c'est un épisode chill hein, vous l'aurez compris, hein. Je vous ai pas menti. Tapis en peau de cerf, oh oui on va mettre un petit tapis là, pour s'essuyer les pieds là. Pauvre cerf qui a rien demandé. En plus je crois que j'en ai. Non j'en ai pas. Et ben, on pourra faire de la chasse. Meubles. Ah c'est vrai qu'on peut mettre des réserves aussi. Ça peut être pas mal de mettre des réserves. Mais là c'est plutôt de la déco. Donc là j'aurais plutôt mis un râtelier d'armure là pour la... Tu sais quand tu sors tu vas t'équiper etc. Un peu comme sur Minecraft. Ça peut être pas mal en vrai là. Tu vois. Bon j'ai pas de bâton. Je place et après on fabrique. Sentier en bois bien sûr. On va se faire des sentiers en bois. Clairement hein. Cheminée en pierre c'est bon. Nichoir c'est bon. Épouvantail. Incroyable. Les traîneaux. Jardinière. Ah oui alors j'avais pensé aussi à remettre donc des jardinières. Ah ça c'est chiant. Et à mettre de ce côté là. Alors à voir si je change pas d'avis. Bah de toute façon voilà, la vie fait que je ne peux pas. Du coup c'est pas grave, on va utiliser eh bien des jardinières murales qu'on va placer du coup. Alors là ça vole hein. C'est très réaliste. Voilà. À cette hauteur là. Tu vois ça fait un petit coin potager. Alors par contre du coup je vais en profiter pour optimiser en fait la place. Et donc je vais en mettre plusieurs côte à côte comme ça. Et de une. Et de deux. C'est pas mal hein. Et de trois. Et ce sera tout. Ce sera tout. De toute façon là c'est chiant. Ça ça dégage. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Mais attends mais en plus c'est formidable. Parce que j'en ai besoin pour fabriquer les tables. Donc tu vois toujours garder le bois. Même si on pense qu'il sert à rien. Tu vois l'avantage c'est que j'ai encore ici tout ce qu'il me faut. C'est parfait. C'est absolument parfait. Donc vous voyez déjà c'est plutôt pas mal. Puis je sais pas c'est... Alors c'est, bien sûr une petite maison c'est toujours cosy. C'est toujours sympa hein. Franchement je suis vraiment d'accord. Mais c'est toujours sympa une grande maison comme ça. En haut de toute façon ce sera beaucoup plus serré hein. Ce sera juste pour dormir. Mais le bas c'est vraiment la zone de vie quoi. Donc voilà moi je... Ah Virginia? Elle est où Virginia? Mais qu'est-ce qu'elle... Ah putain, elle est de nouveau... Elle est encore au caddie de golf. Là où j'ai récupéré les... Est-ce qu'ils vont se faire piéger dans mes machins là? Oula. Tu vas drôlement vite toi mon garçon. Hop. Ça, ça dégage. Hop, on recharge. Ah, ils se sont fait piéger là. Il y en a qui se sont fait piéger. Par contre là ils sont peut-être un peu trop nombreux à mon sens. Alors toi c'est bon t'es au sol. Ok. Ah c'est génial j'adore ce jeu. Ah mais il est pas mort lui. C'est bon les gars. J'adore. Est-ce qu'on peut bosser là? Est-ce qu'on peut bosser s'il vous plaît? Oh non. Ça c'est cringe. Ah attends bouge pas.
Voilà. Non mais là, ça s'en finit jamais. Vas-y, saute-moi dessus, toi. Voilà. Bon, ref. Voilà. Bon, normalement, on devrait être assez tranquille. J'aimerais bien que Virginia revienne, quand même. Ce serait plutôt pas mal. Bon, continuons, parlons peu, parlons bien. Notre premier bout de table, premier bout de table, vient d'être finalisé. On va pouvoir s'attaquer au reste. Ok. Enfin, c'est horrible les cadavres. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais demander à Calvin, tant qu'on y est, de m'aider à terminer les structures. Ça va aller deux fois plus vite. Fais, termine la structure. Voilà, comme ça il va m'aider à terminer les structures, genre... là avec les sticks pour les jardinières par exemple, voilà, tout ce genre de choses. Ou même ça là, les pièges. Je pense que les pièges il est capable de m'aider aussi à faire. Comme ça, ça permet d'aller un petit peu plus vite. C'est ça ce qui est cool avec Calvin. Calvin Harris. Allez, alors ça c'est chiant quand ça bug un peu. Allez, voilà, parfait. Pourquoi il m'a donné ça lui? Ah ok. Quoi? Pourquoi il m'a donné des demi... des demi-machins là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, les amis, en attendant, n'hésitez pas à déposer votre plus beau pouce bleu à cette vidéo. Et comme dit, rien ne nous empêchera par la suite de nous refaire une petite maison cosy. Mais t'as pas besoin de couper du bois? Oh mon dieu. Quel teubé. On pourra toujours se faire une petite maison cosy dans le coin. On a vraiment l'espace. On a vraiment, voilà, comme dit, on va faire un garage pour les véhicules. Il y a beaucoup de choses à faire ici et on va vraiment, je vous le dis, se régaler et s'éclater. Faites-moi confiance. Donc voilà. Après, pour le coup, les maisons, c'est carré. Hein. Tu peux pas faire des ronds. Hein. Voilà, je préfère le rappeler. Allô? Superbe. Change pas, t'es le meilleur. Ok, là, on a réussi. Bon, je vais pas le... Je vais prendre ça. Ce sera plus simple. J'en ai pas... Oh putain, j'ai pas le choix de faire, en fait. Allez, oh ça bug, c'est chiant. Bon, du coup, quand ça fait ça, les amis, pas le choix. Hein. Ah, c'est gênant, je trouve pas le raccourci. Tu fais ça, tac, direct, boum. Et voilà, direct. Et voilà, nous avons une belle grande table. Et des chaises qui seront bientôt, bien sûr, en fonctionnement. Hop. Ça nous refait du beau bois de chauffage, là, c'est plutôt cool. Et voilà. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir pour la suite de l'aventure du coup. Voilà, en termes d'objectifs, je veux dire, les constructions ça c'est ok, mais en termes de synopsis, qu'est-ce que vous voulez comme suite? Est-ce que vous voulez, voilà, on va pas terminer le jeu, mais est-ce que vous voulez que j'aille dans un endroit en particulier? Après ça va dépendre de la prochaine mise à jour qui est pour très bientôt encore une fois. Donc voilà, ça va dépendre de plein de choses. N'hésitez pas à me dire. On va un petit peu commencer tant qu'on y est les constructions de pièges. Ah j'ai plus de cordes. Comment on fabrique de la corde? Comme ça, hein. Ah, c'est vrai, on peut pas fabriquer de corde. Oh, c'est terrible, on peut pas fabriquer de corde. Oh, j'ai envie de canner, là. J'ai envie de canner. Bon, c'est pas grave. On va aller se faire foutre. Tu fais quoi, Calvin, là? Non, mais t'as pas terminé, là? Termine la structure. Tu viens de terminer quelle structure, là, au juste? Parce que t'as juste coupé du bois, là. T'as rien fait de plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a rien fait. Attendez, j'ai jamais vu un mec si peu investi. Non, ça tu restes là. J'ai jamais vu un mec si peu investi. Trop bizarre lui. Alors on va faire tout de suite les jardinières. Comme ça on pourra déjà planter des choses. Là on va planter quoi? J'ai quoi? Graines de baie de saumon. Graines de mûre, graines de myrtille. Ça je m'en fiche un peu en vrai hein. Moi j'aimerais de l'aloe vera. Ah j'ai pas d'aloe vera. Ah coup dur. J'ai pas de graines d'aloe vera. Ah ça c'est pénible. Ça c'est pénible. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah j'ai soif. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai une gourde vide et j'ai pas ma casserole. Ah c'est bien ça. C'est bien ça Mkolo, bravo. Est-ce que je peux boire là ou pas? Ah non c'est dommage. Hein. C'est dommage. Eh bah écoutez c'est pas grave. On va se boire une petite boisson énergisante. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Ça remonte toujours un petit peu le moral. Hop. Tiens, je vais pouvoir aussi faire ça.
en même temps, hein, puisque c'est moi qui dois tout faire au final. Merci Calvin, on l'embrasse. Hop. Oh, et vraiment, j'espère que le prochain patch, on pourra faire des sacs à bâtons ou des sacs de pierre. Voilà, des trucs qui vont nous permettre de transporter plus de bâtons, plus de pierres. Comme sur The Forest, ce serait vraiment génial. Bon, donc ici, bah, en attendant, comme on n'a pas d'aloe vera, on va planter des... Ça, c'est la nourriture déjà. Mur et baie, c'est des trucs de nourriture. Batte du diable. J'en ai qu'une seule, donc on va la mettre. Bête saumon. Prêle des champs et guarana. Vas-y, je vais mettre guarana. Je sais plus ce que ça fait, mais... Attends, là, on peut voir. Donc ça, c'est la nourriture bête saumon. Ah bah, bête saumon, c'est de la nourriture aussi, ça se mange. Ok. C'est pas fait pour fabriquer. Ah, en fait, tout ça, c'est que fait pour manger. Ah, l'arnaque. C'est ça, moi, qu'il me faut pour faire des crafts et tout. Voilà, aloe vera. C'est ça qu'il me faut comme graine. Terrible. Ah, je me suis fait... Bon, là, j'ai que planté de la nourriture, en gros. Je me suis fait, mais arnaquer comme pas possible. Bon, on va terminer ça. Voilà, au moins déjà, on a un petit râtelier d'armes. Enfin, d'armure. Il est où le bâton que j'ai fait tomber, là? Je fais tomber un bâton, non? Bon, je ne sais pas. Ok, ceci étant dit, ceci étant fait, je ne sais pas ce que fait Calvin. Faudrait me le surveiller, celui-là. Ce que je vous propose... j'avais pas fini, en fait, avec les fenêtres-ci. Avec les décos. Bah, j'ai plus de fil, en fait. Malheureusement, j'ai plus de fil... Pour l'électricité, ça c'est chiant. Parce que j'aurais bien mis... Il est sérieux là? Bah oui, mais... Pourquoi il fait tomber la bûche, ce con? Terrible. Terrible de chez terrible. Voilà. Ouais, j'ai plus de fil en fait. Et ça c'est chiant parce que j'aurais bien aimé faire plus de lumière à l'intérieur. Électrifier le tout autour. Là, pour le moment, c'est pas très possible. On a quoi comme craft encore là? Bon, on a les pièges, bien sûr. Voilà, ça on va pas plus faire. Ah oui, le piège, l'alarme silencieuse, ça peut être pas mal aussi. Mais j'ai pas de fil de toute façon. J'ai quand même pas de fil, donc pour le moment, ça sert à rien. Bon, on va quand même le placer pour dire qu'on va le placer. Ça va foutre un sacré bordel. C'est pas. Après, comme dit, c'est tellement vaste que quand il y a des ennemis, on les voit. Hein. On n'a pas besoin de musique. Mais. Comme on sait qu'ils viennent par là généralement, on pourrait mettre ça là. Hop. Et du coup, on les entendra arriver encore plus tôt. Il y a du bois là, hein, si jamais Calvin. Hein, je... Il est vraiment pas malin ce mec. Hein. Il casse des arbres et bref. Incapable de ramener les bûches. Ça me gonfle. Hein. Ça me gonfle. Donc ouais les amis, moi là ce que je suggérerais, vu qu'on a le delta plan, mais après j'ai peur que ça vous lasse. Alors on va le faire aujourd'hui dans cet épisode, parce que je vois pas quoi faire d'autre pour le coup. Là j'ai vraiment besoin de faire ça en off, la suite de la maison. Non mais sinon tu peux rentrer à l'intérieur, c'est quand même plus cosy hein. Ah t'aimes pas parce que c'est une maison carrée, c'est ça? Ah mais il dort vraiment en plus. Trop mignon. Ouais, donc vous me direz si vous trouvez ça trop, mais en vrai, moi, ce que je pense, c'est qu'on prend le delta plan et on fait un petit peu le tour de l'île, en fait. Hein. Là, autant, j'ai envie de dire, autant en profiter maintenant. Si ça vous plaît pas, bah, on arrêtera d'enchaîner ça pour le prochain épisode, vous inquiétez pas. Mais là, comme je ne sais pas si ça vous plaît vraiment ou pas, je vais quand même le faire, parce qu'on a des choses à récupérer. Ah non, c'est pas du fil, ça, mince, c'est du Shatterton. Ah, oh, je suis deg. Donc ouais, on va faire ça, les amis, ça peut être plutôt pas mal. Juste là on pourrait mettre une fenêtre là, ici là. Peut-être pas une grande fenêtre, j'aimerais vraiment garder les petites fenêtres au rez-de-chaussée. C'est quand même plus safe si les mecs, parce qu'en plus ils t'envoient des lances, hein. Faut pas oublier que les cannibales maintenant ils t'envoient des lances. Hein. Donc bon, c'est pas terrible. Et puis là une autre fenêtre. Voilà. Ici ça sert à rien vu qu'il y a un petit accès là. Donc voilà, plutôt pas mal. Allez, je fais une petite sauvegarde. Donc on est au jour 43, mais d'ailleurs il va faire nuit là, 16h. Oh, on s'en fout, on dormira sur le chemin, on s'en bat les steaks. Ouais, je vais juste prendre sur moi du coup à manger et à boire. Je rangerai tranquillement en off, hein, ça sert à rien, je vais vous épargner ça.
Je vais prendre des conserves. Ah mais j'ai déjà des conserves en fait. Je prends une conserve. Ah oui, j'ai déjà assez de conserves. C'est surtout à boire qu'il me faut. Bah, du coup je vais prendre la casserole ici. Puisque j'ai de l'eau propre dedans. Et j'en ai encore assez. Et je vais me prendre un petit soda au cas où. Et on va, du coup, je refais une sauvegarde. On y va les amis, un petit tour en wingsuit. Avec le soleil qui va se coucher. C'est rare, peut-être pas la bonne idée, mais c'est pas grave, allez, on y va. On a qu'une vie, j'ai envie de vous dire, one life. Là je vais refaire le même tracé que j'ai fait pour aller au caddie de golf. Et pour vous montrer la technique d'aller de plus en plus haut. Vous avez vu à quelle hauteur j'ai décollé. Déjà là je suis plus haut que la hauteur à laquelle j'ai décollé hein. Donc là si j'arrive à passer par dessus la montagne, c'est vraiment fort. On va essayer, objectif, passer au-dessus de la montagne. Voilà, c'est un petit défi. C'est juste pour s'amuser. C'est que du kiff, hein, de toute façon, ce jeu. Hop. Bon, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Mais rien n'est impossible. Ah, il y a un petit marais là en bas. Voilà, comme ça, regardez bien. Tu vois, déjà là, je vais quand même plus haut qu'avant. Faut être patient en fait, hein. Faut vraiment pas avoir peur, mais faut être très patient quoi. Là, je suis quand même beaucoup plus haut qu'avant. Hein. De toute façon, si vous me croyez pas, regardez bien. Voilà. Et voilà, là, je suis au niveau de la neige. Alors qu'avant, on n'y était pas. Oh, c'est pas mal du tout ça. Et voilà, je suis au-dessus de la colline ici. Ça marche super bien. Vas-y, on se la refait encore. On descend en piqué. On monte à balle. Et voilà. Ah, c'est génial. Faut être patient. Faut être patient et ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici? Je suis encore jamais passé par là. Enfin, pas durant cette saison en tout cas. Parce que je me souviens que j'étais passé par là durant la saison 1, ça c'est clair. Par contre là j'ai pas envie de marcher. Ok, ça passe, j'ai de la chance. Ah c'est chouette. Oh, il y a un pont là-bas. Il y a un pont. Ok. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un pont, bon il y a rien de plus. Oh, c'est trop beau. Ah là, c'est chouette. Donc là, c'est les terrains de golf. Hein. C'est ici que j'ai récupéré les batteries. Hop. Donc je fais ça, les amis, évidemment, pour reprendre de l'altitude. Et là, je crois que j'en prends un maximum. Et là, on fait très rapidement le tour, clairement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Oh là là, regardez comme je suis haut. Ah ouais, là, c'est inégalable. Là, c'est inégalable. C'est le moment de voir s'il n'y a pas des trucs à checker là. Le point vert là-bas, on l'avait déjà vu. Le point vert là également. C'est vrai que là, on trouve plus grand chose en fait. Hein. Il n'y a plus qu'à aller à la fin du jeu quoi. C'est assez terrible. Ok. Il y a un bug de texture là-bas, oui, je me disais bien. On essaie de regarder un maximum en dessous de nous, voir s'il n'y a pas des trucs à choper. J'ai vraiment envie de passer par la montagne. Oh, c'est risqué ce que je viens de faire. Hein. C'était un pari ambitieux. Mais on va essayer de monter la montagne. Parce que là, on a une belle cascade d'eau en plus, là. Bon, il va faire nuit, donc ça, c'est un peu couillon. Allez. Ça passe de ouf. Bon là ça marchera plus hein, malheureusement. Là je ne peux plus faire ma technique. Mais au moins on est sur la terre ferme. Et on pourra dormir. Parce que le soleil se couche. On va dormir sous le froid évidemment. C'est pas terrible. Par contre, là je pense qu'on ne croisera pas de méchants. Il fait beaucoup trop froid pour qu'il y ait des indigènes. Je sais pas. C'est une question que je me pose. Oh, il y a une grotte. Les gars, attendez. Eh, vous allez croire que c'est scripté, mais c'est pas une blague. Hein. J'ai pas fait exprès d'aller là. Hein. Il y a une grotte ici.
Il y a une grotte ici. Et il y a une tente ici. What? Non, c'est incroyable. Et il y a une tente, on peut dormir là. Non, c'est incroyable, c'est une tente glaciaire. Une grotte glaciaire. Non, mais attendez, c'est une blague. Ok, je kiffe. Non, c'est incroyable ce qui se passe. Bon, il est quelle heure? Merde, j'avais l'heure en plus sous les yeux, je suis débile. 18h, on peut dormir. J'espère pas mourir. Ok, c'est bon. Donc là, évidemment, j'ai froid, j'ai soif, donc je vais vite manger un cheat meal. On va vite boire de la vraie eau. Oh, c'est incroyable. Alors, attends, y'a pas des trucs là, y'a des totems. Ok. Bah écoutez, on va voir c'est quoi ces grottes là. Bon là je vais me peler les couilles hein. Alors ça me fait penser à la grotte qu'on avait déjà visitée. Et vous m'aviez dit que c'était déjà là à l'époque. Est-ce que cette grotte là était déjà là à l'époque? C'est une bonne question. Oh c'est magnifique. Attendez, je fais juste une capture d'écran les gars. Ah c'est peut-être pas aussi joli que ce que j'espère. Ah voilà, comme ça bougeait pas. Voilà, incroyable. Qu'avons-nous là? Bon je pense que ça va être aussi un cul-de-sac. Ou pas hein. Tout à fait, c'est un cul-de-sac. Ah c'est dommage ça. J'aurais aimé casser les stalactiques. Stalactique ou stalagmite? Dites-moi en commentaire. Alors bah voilà, on a de la corde. J'avais besoin de corde. De l'alcool, superbe. De la corde, c'est pas... Du fil aussi, du tissu. Bon l'alcool je peux pas récupérer, c'est chiant. Ok super. Bon bah écoutez. Alors, est-ce qu'on va vraiment critiquer ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est chiant quoi, y'a rien d'autre. Y'a pas de truc de ouf quoi. Et ça c'est regrettable. Mais bon, on peut pas toujours tout avoir. J'avais vu une vidéo sur YouTube des mecs qui s'installaient, qui faisaient leur base là-dedans, là, dans ce truc-là. En vrai c'est... Ça doit être chiant. Mais c'est cool, parce que t'es safe. Ok, bah on a bien fait de passer par là, eh. Comment ça se fait que la grotte elle est marquée, je ne sais pas. Alors là-haut on a un lac, écoutez on va continuer d'avancer. Notre base elle est où là? Notre base elle est pile en face là. D'accord? L'ancienne base elle était là. Ça c'est génial. On est au milieu de la map là. On peut pas être plus au milieu de la map. Je vais juste toujours prendre avec moi le deltaplane parce qu'on en aura toujours besoin. Alors au cas où, parce que ça me fait un petit peu peur et que j'en ai suffisamment. Bah non, j'ai même pas de médicaments, putain. J'ai même pas de médicaments. Bon, je vais mettre l'armure alors. Tout au moins. Oh. Toi, tu viens avec moi. Hein. Alors, qu'avons-nous là? Eh, c'est un endroit où je suis jamais allé. Même durant la saison 1, les gars. On est d'accord. Incroyable. Mais c'est super. Alors, bon, il y a toujours de la neige ici normalement. Hein, mais c'est super chouette. Oh, des petits lapins. Des petits lapins blancs. Ok. Il y a une grotte. Attendez, je vois une autre entrée de grotte en face. Et notre base. Mais on est déjà allé dans cette grotte là-bas, non? Je sais plus. Je sais pas si on est déjà allé dans la grotte là-bas. Mais c'est la seule que je vois. Ah oui, on est allé dans la grotte en face là-bas, mais pas celle-là. Ok, attendez, on a une nouvelle grotte à explorer à mon avis. Oh ouais, 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 mon pote. Là, à mon avis, ça régale. Ah, je pensais pas que cet épisode allait prendre cette tournure. Je pensais qu'on allait juste rester à la base et, je sais pas, moi, faire de la décoration, des trucs comme ça. Au final, on fait quand même un tout petit peu mieux que ça. Regardez-moi cette... Merde. Cette vue de dingue. Ok, j'ai encore... J'ai eu peur, là. Eh oh, oh, oh. Attends, il y a... J'ai le droit de monter, là, au moins? Ok, c'est bon. Faut juste pas que je cours. Ah non. Attends, mais il m'empêche d'aller avec le deltaplane? Non, ça marche, là. Ah, c'est quand je me retourne. Ah, c'est à peine pas bugué, de toute façon. Hein. Ok. Ah ouais. C'est vide. Mais par contre, c'est beau. C'est naturellement beau. Ah ouais. Oh. Là, tu décolles de tout en haut avec ton deltaplane, t'es un champion. Hein.
franchement. On va juste crever de froid, mais... Wouah. Eh, on... je m'en souviens. Saison 1. On était là, saison 1. On était clairement là, saison 1. Et en fait, cette grotte, du coup, on l'avait déjà vue, alors. C'était la première grotte glaciaire qu'on a découverte, je crois. Et puis là, en face, c'était la première base. Vous voyez le grand truc d'eau, là-bas? Ah ouais, ça sert à rien qu'on y aille. Par contre, j'ai une autre grotte, là-bas. On va y aller. C'est quoi, de toute façon, ça mange pas de pain. On va vérifier ce que je viens de dire. On va vérifier ce que je viens de dire. Non, mais il y a vraiment une grotte, là. Non, non, là, il y a une grotte qu'on n'a pas encore vue, là. Hep, hep, hep. Moi, je suis en train de redécoller alors que je voulais juste descendre, moi. Allez, descends. Waouh. Ah, quand ça veut pas, des fois, c'est... Bon, là, ça rappelle le début de l'aventure. Waouh, 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 wow. Attends, on va pas dévaler toute la map comme ça non plus. Là, c'est juste ici. Allez, on va essayer d'atterrir si c'est possible. Voilà, je suis juste au-dessus de la grotte. C'est terrible. En fait, j'ose pas descendre en piqué parce que c'est pour me prendre des dégâts. Ouais, c'est une autre grotte. Ça, celle-là, on l'avait déjà vue dans la saison 1. Mais pas dans la saison 2. Et donc, il y a peut-être des objets, j'espère. Donc, ça veut dire... Attendez, bougez pas. Ça veut dire... Là, on vient de voir la grotte là-bas. Ça veut dire qu'on avait déjà vu la grotte là-bas et la grotte là-bas. Juste pas encore celle-là. En fait, toutes les grottes qui sont marquées, on les a déjà toutes vues. Je suis pas sûr. Faut qu'on vérifie. Bon, là, au moins, on récupère des trucs. Ça, c'est cool. Un médicament. Parfait. J'en avais besoin. Des billets. De l'alcool. Rien de plus. Ok. Ah. De la corde. Je prends. Du tissu. Et une autre grotte glaciaire juste ici. Elle est un petit peu plus jolie. Mais celle-là, on la connaît. Attends, je vais faire une belle capture d'écran, là. Avec la tente. Hop là, magnifique. Ce sera la miniature de la vidéo. Hein ? Un casque. Très bien. Bonjour. Et bien voilà à qui appartenait le casque. Bon là, au moins, on fait le plein de fils. Et ça, c'est chouette. Et ça... C'est chouette, mais vous vous rendez compte, ces belles grottes, il n'y a que du fil à récupérer. Il n'y a pas de trucs cachés, d'easter egg. Attendez, si j'utilise le l'artefact là. Oh! Attends. Eh, je faisais ça pour rigoler, vous avez vu ce qui s'est passé? À moins que c'est juste un bug du reflet, mais... Ah ouais, ça fait... Ça électrifie tout ce qu'il y a autour. Ça électrifie tout ce qu'il y a autour. Oh, faut essayer contre un ennemi. Faudra qu'on essaye contre un ennemi. Attends, il faut refaire plusieurs fois l'animation, voir. Tu vois, là, il se passe rien. Mais à l'intérieur de la grotte, il se passe quelque chose. Oh, mec. Je viens de découvrir un truc, là. Ou pas. Mais moi, je trouve ça dingue. Ok. Faudra essayer contre un ennemi si ça l'électrifie ou pas. Si ça l'électrifie ou pas, bien sûr. Bon bah écoutez, on va remonter. Moi ce que je propose c'est qu'on en profite, on remonte la montagne. Ce qui est cool c'est que c'est rapide à monter. C'est pas réaliste mais c'est rapide à monter. Comme ça on peut refaire une descente et vérifier si on a vraiment tout vu à peu près. En tout cas des choses essentielles. Bon là à tout moment évidemment je peux sauter. Bah je vais sauter. Ça nous permettra de remonter plus facilement. J'espère. Ouais, ça devrait aller là. Voilà, on prend un maximum d'élan. On remonte, ça nous permet de faire un petit peu le tour. Bah du coup dans l'autre sens maintenant. Est-ce qu'on avait bien vu cette grotte là? Oui oui, la grotte du lac, bien sûr, c'est là qu'il y avait l'armure en or.
par contre, la grotte dans la neige en face. Et eh ben la grotte dans la neige en face, oui, c'était la première grotte glaciaire qu'on avait vue. Et vous m'aviez dit que ça existait déjà à l'époque. Tout à fait. C'est triste, hein, quand tu commences à connaître la map par cœur. C'est dommage, hein, mais c'est normal. Hein. On a tellement poncé le jeu. Hop là. Voilà, comme ça. On est tranquille. En plus, il fait super beau là. Super chouette. Regardez-moi cette vue de dingue. Avec là-bas l'aérodrome, enfin l'avion crashé. Hop. Et du coup, on va voir la réponse à la question. Ah bah c'est là, oui, c'est juste en dessous là. C'est bien ici donc qu'on est déjà allé. Non? Ah si. Non? Attendez, je suis pas sûr là. Attendez. Ah si. Si 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 si. Oui, oui, on était déjà là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Attends, j'ai eu un doute. Bien sûr. Ok. Bah écoutez, on va terminer le tour du coup dans l'autre sens. C'est plutôt pas mal comme expédition en vrai. Là, on est vraiment sur la partie de la map maintenant où qui est réputée pour être vide. Oh, c'est trop cool ça. C'est trop bien de faire ça, putain. Et hop, on remonte. Ah, t'as aussi des beaux spots ici pour t'installer, hein. Là, on aurait pu s'installer là aussi, hein. Franchement, hein. Ok. Pas grand chose. Oh, j'ai entendu des indigènes. Ouais, on est déjà passé par là. Je sais que là-bas il y a des orques. Oh là là. Mais par contre, ce qu'il n'y a pas à redire, c'est la beauté de ce jeu, quoi. Franchement. Bon, déjà, je tiens mon deltaplane à une main et ça, c'est fort. Putain, mais qu'est-ce que ce jeu est beau, quoi. C'est sûr, c'est pas un Far Cry, mais quand même. Et ici, ça sert à rien cet endroit. Il n'y a jamais rien eu là. Hein. C'est vraiment dommage. Ici, c'est un super spot aussi. Hein. Un peu sous-côté, je veux dire, on n'est jamais passé vraiment beaucoup par là. Il y aurait grave moyen de faire des belles choses ici. Avec ces belles falaises là. Donc là, le point vert, on y a déjà été. Évidemment, c'est là qu'on a justement le... Il nous faut une carte magnétique. Ah, attendez, on l'a pas récupéré, la carte magnétique. Hep, hep, hep. Attendez, entre-temps, on l'a récupéré, non? Je sais plus. Ah, je sais plus du tout. En vrai, ça mangerait pas de pain d'aller vérifier. Alors du coup, pour ça... Voilà. Oula. Dangereux ça. Dangereux et pleinement assumé. Il faut juste que j'arrive à repasser au-dessus des arbres. Ok. C'est par ici. Bah on va aller voir ça et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Du coup les amis. Tellement bien ce purée de deltaplane. Oh, je viens de trouver un spot en plus sans faire exprès. Allez. Ça c'est pas mal. On a une casserole. Oh dommage, j'aurais dû garder. J'aurais dû laisser celle que j'avais à ma base. J'aurais dû la garder, j'aurais eu deux casseroles. Trop le seum. Y a rien d'autre d'intéressant à récupérer en vrai. Allez, on va faire une petite sauvegarde quand même. On va reprendre le deltaplane avec nous. Et on va essayer de rentrer dans la grotte.
Je sais plus en fait si on avait eu ou pas la carte magnétique. Oh, bonjour à vous. Je dois vous avouer que j'avais pas fait attention entre temps. Si on avait vraiment exploré des trucs entre temps, je ne sais plus. Donc on va... Ça mange pas de pain d'aller vérifier. Je laisse ça là. On rentre. On va bien voir. Ça se peut, ça va être l'ascenseur émotionnel. Oh, ils vont se calmer là dehors. Alors. Bonjour à tous. Ok. Oh! Batterie de voiture est trop bien. On a bien fait de venir. On a bien fait de venir dans tous les cas. Comme quoi il y a des nouveautés quand même hein. Là il y a pas de truc. Là on peut rien faire. Là c'est de la convient. Et on a la carte. Les amis, on a bel et bien la carte. Alors je ne sais plus à quel moment on l'a récupérée. Ah bah ça devait être la badge. Ah mais bien sûr, entre temps on était dans le... Oh bah oui. Badge d'entretien, badge de client, badge VIP. Eh bien les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous l'avez kiffé. Et dans le prochain du coup, on va rentrer dans cette grotte. Il y a des bruits très étranges. Maximum de pouces bleus, je compte sur vous. C'était Mkolo, plein de bisous. Et à très vite. Ciao tout le monde.